Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, spectateurs et spectatrices de Ma Digital Radio Télévision. La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Nous sommes très heureux d'être toujours avec vous à notre rendez-vous dans notre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet double, c'est-à-dire de l'adhésion de la RDC à la Communauté de l'Afrique de l'Est, et aussi nous allons parler de la crise rondo congolaise et surtout de la visite d'Emmanuel de Macron en RDC. Nous allons nous permettre de faire cette analyse et décryptage ensemble avec notre invité. C'est lui là qui s'appelle Dominique Kabongo, quelqu'un que vous connaissez puisque il passe régulièrement sur cette chaîne. Dominique Kabongo est politicologue et analyste. Il est gradué, donc licencié, de l'Université de York au Canada. Il est essayiste, ancien cadre de l'UDPS Fédération du Canada, très habitué sur notre plateau. La présentation et la rédaction de cette émission est de votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, la conception et la réalisation de makolo Digital Radio Télévision, la voix de la démocratie congolaise. À cet instant, cette émission passe en direct sur la radio et nous vous assurons qu'il y aura rediffusion sur www.lavdc.net. Alors, commençons par le venu de Macron et la guerre à l'est de la République Démocratique du Congo. Alors, euh, ma question est la suivante, euh, Monsieur Dominique Abongo. La visite euh, du président Macron en RDC sous une forme de tension du Congolais lambda, avec comme toile de fond, la France soutient le Rwanda et Kagame, c'est-à-dire il soutient par ricochet la guerre dans l'est de la RDC, et donc Macron n'est pas la bienvenue chez nous. Prenez vous ça? Justifié comme raison et dans l'agissement du peuple congolais. Très bien. Tout d'abord, je commence d'abord par vous remercier, M. Don euh, Si Effectivement, ça fait un moment que nous ne sommes pas passés sur les antennes et ce n'est pas la première chez vous. Euh, C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. D'ailleurs, je pense que vous êtes le seul qui est assez persistant quand. Ma voix semble manquer sur les ondes. Vous venez me chercher, comparativement à d'autres, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. Euh, euh, on est toujours disposé à apporter notre petite expertise. Euh, York University, euh, et je suis détenteur d'une. Euh, je suis politologue, en, en effet, détenteur d'une euh, licence en sciences politiques et développement international. Euh, ce sont mes deux. Mes deux... <coughs> spécialisation et aussi je suis non seulement politicologue, analyste politique mais aussi un acteur politique très important aussi de souligner cela euh, pour notre pays donc euh, maintenant pour revenir à votre question oui et non oui parce que les congolais euh, con, euh, considèrent la france comme un partenaire de longue date euh, du fait que nous partageons la même langue je, dans l'aspect de la francophonie et que les positions de la France, France en tant que politique et, et conduite par leur président, ont été des, des positions assez ambiguës par rapport euh, à, à, à l'agression rwandaise euh, sur la RDC, ce qui a laissé les Congolais véritablement mal à l'aise. Et, et par conséquent, ils ont ce... Sentiment de, de rupture un peu avec la France. Euh, et moi, je pense que la France est, est véritablement en difficulté parce que lorsque vous regardez euh, euh, les, ces colonies dans l'Afrique de l'Ouest et tout ça, vous voyez qu'ils sont vraiment en difficulté par de, 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 de leur politique et que la politique anglo-saxonne est en train de gagner beaucoup plus de terrain. Alors la France euh, a tout simplement joué un jeu d'équilibre où elle, elle, elle s'aligne avec, euh, avec la politique anglo-saxonne pour ne pas euh, aliéner certains intérêts qui, qui, qui sont euh, essentiels pour sa survie euh, domestique tant qu'internationale. Donc, euh, c'est un jeu d'équilibre politi politique. Et je retiens, j'ai suivi la conférence de presse d'Emmanuel de, 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 Macron. Euh, j'ai avec 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 Félix Tshisekedi, bien, bien évidemment, j'ai retenu quelque chose qui est très important. Il a dit la solution est une la solution au, au, au drame de la RDC n'est pas une solution individuelle, mais c'est une solution collective. Ça ça doit frapper dans les dans les oreilles des Congolais. Encore une fois, ça revient un peu au point qu'on venait de toucher tout à l'heure. Donc le Congolais qui est agressé, qui est dans l'agonie, qui crie jour et jour, qui décrit la vérité, de c'est-à-dire cette guerre injuste qui lui est imposée depuis maintenant trois décennies, on trouve que pour pouvoir mettre fin à cette guerre, il faut une médiation, il faut que les gens se mettent ensemble dans les protagonistes pour pouvoir trouver euh, une voie de sortie. Mais est-ce que, pour faire un parallélisme, est-ce que Macron peut, 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 peut avancer une telle solution pour la guerre en Ukraine et, et la Russie Il y a une différence. La différence est qu'en Ukraine, ils n'ont pas demandé de l'aide extérieure en à... ressources humaines. Ils ont dit, nous, nous allons nous battre nous-mêmes, donnez-nous les armes. C'est diff... ce qui fait toute la différence avec le Congo. Bah, alors, quand les Congolais, maintenant, si, si, si vous dites ça et que les Congolais continuent à aller, permettez-moi encore le terme un peu euh, assez fort, continuent à, à, à pleurnicher, à penser que leur solution viendra de l'extérieur, au lieu de se mettre ensemble et de devenir véritablement sérieux, comprendre que les enjeux du siècle dont Macron a parlé, il a parlé que le Congo, c'est le carrefour où les enjeux du siècle se jouent. Euh, je, 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 je paraphrase un peu, je sais qu'il a utilisé d'autres terminologies, mais c'est ce qu'il a dit en fait. Alors pourquoi les Congolais ne peuvent pas véritablement se mettre autour de part, comprendre que les enjeux véritablement maintenant, qu'ils vont définir ce 21e siècle, sont en train de se jouer maintenant, et comprendre qu'il faut d'abord chercher à sécuriser les intérêts des Congolais, d'abord... Avant de pouvoir continuer à, à, à pleurnicher de gauche à droite, à aller dans tous les sens, à, à, on dénonce le Rwanda depuis des qu années. Qu'est-ce que vous appelez pleurnicher quand on est en train de dire la vérité que l'agresseur, ce n'est pas seulement le Rwanda, mais c'est Kagame qui est l'instigateur Est-ce pleurnicher C'est connu depuis combien de temps Ça fait 30 ans qu'il s'agit. On ne l'a jamais dit, on l'a caché. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui monte au créneau et dit écoutez, le, le problème du Congo ou de la région, c'est Kagame. Pourquoi ne okay. pas. D'accord, d'accord. Prenons le cas que ça a été dit plusieurs fois et le président l'a répété encore aujourd'hui. Euh, très bien. Maintenant, qu'est-ce que le Congolais propose comme plan d'action Pour eux, oui. non, eux. Non, mais attendez, les Congolais attendent qu'il y ait un plan d'action, qu'on leur soumette un plan d'action pour eux. Au lieu eux-mêmes d'abord de chercher à, de, à, à se. Prendre en charge eux-mêmes, comme le disait le feu Étienne Tshisekedi. Réglez d'abord vos problèmes, mettez Vous mettez-vous d'abord. Non, 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 Monsieur Kabongo, il y a ceci. Le problème du Congo, surtout de l'Est du Congo, ce n'est pas. Donc, on tend à faire voir que ce sont les Beniamoulengues qui sont Congolais, qui revendiquent ceci, cela. C'est ce qu'on cherche à nous faire euh, gober. Et pourtant, la réalité est que ce sont les supplétifs des lobbying euh, de, de l'extérieur. Et Macron a dit ceci, je le cite. Ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Mais il oublie que c'est l'extérieur. Au Congo, au Rwanda, en Ouganda, on ne fabrique pas les armes. Ces armes viennent de quelque part, sophistiquées qu'elles soient. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures. Donc une reconnaissance, mais à culpa de Macron, dans une logique de prédation. C'est ce que nous disons et nous devons dénoncer ça. Ce sera difficile de gagner cette guerre quand nous sommes en train de nous attaquer au supplétif et que la guerre elle, nous est imposée par les, euh, les lobbying qui donnent des armes et de l'argent pour soutenir euh, ces capitains méda médaillé Pourquoi Tout à fait. Bah, alors, si je, je prends votre raisonnement, je vais plus loin. C'est le raisonnement de Macron. C'est Macron qui a dit ça. Oui, j'ai suivi. J'ai suivi son raisonnement. Je dis ceci. Donc, il reconnaît que cette guerre des suppliques Kagame 21-23, ce sont des supplétifs. Ce sont les, les enfants de course. Mais ils sont nourris et arrangés par l'extérieur en les donnant les armes de l'argent. Il a reconnu euh, le tacitement. D'accord. Mais moi, maintenant, je vous complète mmh. en, en, en étant d'accord avec vous-même. Le go... Avec, ce que, avec, avec, avec sa déclaration d'ailleurs. Je suis d'accord avec ce que Macron a dit, tout à fait. Mais alors, je, me, je dis ceci. Sachant cela, pourquoi ne pas les dénoncer nommément En aucun le jour, permettez-moi, en aucun jour, le Rwanda peut faire ce qu'il fait à la RDC s'il n'avait pas le soutien des États-Unis, de l'Angleterre, de la politique anglo-saxonne. Nous le disons depuis plusieurs fois. Maintenant, c'est ce que je voudrais que les officiels congolais dépassent le Rwanda et qui ne regardent pas le Rwanda. Paul Kagame, on lui donne beaucoup trop de crédit. Aller plus loin, dénoncer l'Angleterre, les États-Unis, dénoncer ces compagnies que nous, nous connaissons tous qui sont en train de créer, qui ont. Qui, qui, qui crée tout ce désordre en finançant ces groupes armés, en créant tout ce désordre pour pouvoir ramasser les, 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 les ressources naturelles à, à, à bas prix, à pratiquement à, 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 prix, à zéro prix, et que Macron ne fasse pas la politique d'autruche. Encore une fois, comme je vous ai dit, il fait un jeu équilibriste. Il dit de manière tacite ce qu'il connaît, mais la France étant en difficulté, euh, par rapport à la, à la pression politico-mondiale de l'anglo-saxon, alors il essaie de faire l'équilibre D'accord, mais prends une position ferme, cyclée. Ne, ne parlez pas à demi-mot, allez jusqu'au fond. C'est ce que j'appelle pleurnicher, si vous permettez. Quand je dis le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, très bien, je suis d'accord. C'est une bonne chose, est, il s'est dit haut et fort, mais nous devons aller plus loin. Alors, je ne comprends pas, maintenant, lorsqu'on dénonce le Rwanda, mais qu'on continue à avoir une attitude euh, amicale avec, euh, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, euh, on, on se bat bras dessous, bras dessous. Pourquoi pas parler aux Américains aussi de manière franche Leur dire que voilà, les responsables, on les connaît. Si moi et vous, qui ne sommes pas dans les institutions, bien que nous avons combattu pour la libération de ce pays et cette, cette lutte, mais on peut citer les noms, à plus forte raison ceux qui sont là-bas, qui, qui ont la documentation au quotidien. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre leur courage et dénoncer ce qui se passe Mais c'est que exactement le gouvernement actuel, avec euh, le président Féchisque, ils vont même dans leur camp leur dire, écoutez, si ces gens-là, même si aujourd'hui nous, nous, nous décidons de mener nos jeunes gens au front, on va les massacrer puisque euh, le, le secrétaire général de l'ONU a reconnu, mon frère, il a reconnu que le M23 sont euh, armés d'une manière sophistiquée, des armes sophistiquées. Et d'où viennent ces armes Il dit non, ça vient de quelque part. Nous savons que la plupart de ces armes là, c'est ce que les Américains avaient laissé après la guerre de Mogadiscio euh, en Somalie. Donc ce qui était resté ils avaient de, de, de versé ça en Ouganda. C'est là où la plupart des armes viennent. Bon, maintenant nous allons vers eux dire que écoutez, c'est vous qui armez ces gens là. Et hier, je lisais un article dans, dans chez donc le journal ou la, la radio-télévision de, euh, des Allemands. Et ils disent d'où viennent les financements de M23. Ils ont demandé à Bissimoua, qui est le président de M23, et il racontait des histoires. Tout le monde cherche oh, non, à partir de Bounagana, donc euh, le, la transaction là-bas fait beaucoup d'argent. Nous savons que ça vient de l'extérieur. Et nous leur disons que non, c'est vous. C'est pourquoi il y a eu euh, cette euh, montée des de, 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 de rages des Kinois à Kinshasa contre Macron. Et qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que serait euh, prendre cette action-là, couplée avec les actions du gouvernement qu'on qu appelle maintenant la diplomatie agissante, pour aller vers ces euh, sponsors et qui commencent à parler dans leur parlement déjà, ce qui est une bonne chose, ça peut amener une solution, vous croyez? Non, c'est-à-dire que je ne vais pas... Euh... C'est l'effort de tout le monde. Il faut, il faut tout le monde qui s'offre. Donc je ne veux pas euh, minimiser ou. Euh, L'affaire dé... de tout le monde sauf de l'opposition qui est contre tout ce que le gouvernement fait. <laughs> Laissez-moi finir. <laughs> Donc je, dis, je ne voudrais pas dénigrer l'action des autres. Ceux qui, on en parle au Parlement, comme on voit, le gouvernement euh, pense qu'ils qu peuvent, selon eux, à leur manière. Maintenant, vous me demandez moi mon point de vue. Moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, la, 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 la colère des Congolais, précisément des Quinois ici, que ça, ici. Personnellement, maintenant, moi, je, je, je n'irai, je, je changerai de cap. Je ne parlerai plus à ces gens-ci parce qu'ils savent. Et la politique d'autruche, on ne peut la faire que pendant un certain temps. Euh, on a vu, on a vu ce qui est fait, et bon, quand vous parlez à a, où, où certains interlocuteurs et continuez à. On, on ergote autour du pot, on, bon, on fait semblant, on joue un jeu d'hypocrite. Après, à un certain moment, il faut couper les ponts. On se dit, bon, ok, on change de cap. J'ai suffisamment dit, je ne veux pas aller dans les détails, mais vous comprenez ce que j'ai dis en changeant de cap. Je suis sûr que vous avez compris. Maintenant. Ce <laughs> euh, n'est pas moi mais... que vous dites, vous dites ça à nos interlocuteurs, ils veulent savoir qu ce que vous voulez dire. Tout à fait. Évidemment, en politique, nos interlocuteurs doivent savoir aussi que tout ne se dit pas sur la radio. Mais on n'est dit... pas en politique, on est sur la radio. Et réellement. Tout à fait. J'ai dit bien moi, ça aurait été moi, j'aurais déjà changé de cap. Lors de la conférence de presse entre les deux présidents, Tshisekedi et Macron, ce dernier n'a pas voulu citer nommément le Rwanda. Comme la tête du serpent qui déséquilibre la quiétude en RDC et de sa population. Pourquoi il n'a pas fait, selon vous, malgré les de des de journalistes? La politique d'Autruche, euh, Macron sait où sont ses intérêts aujourd'hui. Les intérêts de Macron sont plus sauvegardés avec le Rwanda qu'avec la RDC. Et les Congolais doivent se mettre ça en tête. C'est tout. Vraiment? Oui, je vous dis, écoutez, prenez Total. Total vient, au, au, on prend les, 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 les blocs Albert, la négociation des, 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 des blocs pétroliers euh, au lac Albert. La Calbert. Total, Total voulait, ils ont déjà le contrat, donc ils voulaient exporter euh, euh, les, 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 les gisements et les blocs pétroliers, mais... Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé au niveau de Kinshasa. Apparemment, ils ne se sont pas entendus dans, dans les, les accords préliminaires. Total a, a, a changé de camp. Il est allé du côté de, de l'Ouganda et du côté de qui dit l'Ouganda dit le Rwanda et il a pu avoir l'acquisition de ces blocs pétroliers. Et quand on a posé la question au PDG de Total, il a dit, écoutez, moi, je, je suis un homme d'affaires, ce qui, ce qui est vrai, je fais mes affaires, euh, je n'ai pas trouvé d'interlocuteur valable en RDC, alors euh, je suis allé du côté de, 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 de Rwanda et Ouganda, j'ai trouvé des gens sérieux et j'ai fait mon affaire. Mais ça, c'est une bêtise. Hein. Gens <laughs> Mais je vous, dis, je, je vous donne seulement un seul exemple. C'est pour vous dire où sont les intérêts de la France. Ils sont alignés avec l'Ouganda, le Rwanda de ce côté-là. Ils n'ont pas l'intérêt par rapport à la, à, à, à la RDC pour le moment aussi. Est, ben, vous voyez, euh, Macron est venu, il, il est venu avec des investisseurs, bien évidemment, et, et, ils font des projections de marché, ainsi de suite. Euh, J'utilise, je vais paraphraser ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi il dit, nous espérons que toutes ces promesses, ce n'est pas un feu de paille, que ça va vraiment se réaliser. Parce que vous, 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 vous savez comment les Occidentaux fonctionnent, vous comprenez Donc, euh, ils peuvent venir, tralala, tralala, et puis après, ils passent et puis il n'y a rien. Donc, les intérêts de la France en ce moment sont sauvegardés par, euh, par le Rwanda. Regardez, je vous donne encore une autre, suivez mon regard, une autre indication. La secrétaire de la francophonie, c'est qui Et vous voyez que la, vous voyez la proximité qu'elle a avec Emmanuel Macron. Ce qui est ridicule, c'est que euh, le Rwanda s'est dit un pays francophone, mais euh, la présidente de la francophonie est. Demande euh, d'un pays anglo-saxon. Allez-y comprendre. Et vous pensez vraiment que la France peut nous aider à ce point. Elle est coincée elle-même face à la pression euh, de la politique anglo-saxonne. Elle est coincée. La France essaie de survivre. Donc elle alignera ses intérêts par rapport à ce qui marche pour elle. Ce qui, ce qui, est, euh, ce qui est tout à fait normal. Les Congolais doivent toujours garder, toujours garder que les États n'ont pas d'amis. Comprenez Et tout c'est être sans état d'âme et ça c'est être à froid. Voilà pourquoi les Congolais doivent vraiment avoir une sérieuse introspection, comprendre que c'est maintenant, c'est maintenant que les, les, les enjeux du 21e siècle sont en train de se jouer. Et si nous continuons à rester un bon Congolais, à faire ce qui est connu, typique de nous, bon, on, je vous dis qu'on va hypothéquer ce pays, hein pas du tout nous avons vraiment un nationaliste comme président Et merci bien euh, monsieur Dominique Kabongo nous avançons euh, je vous rappelle que vous êtes sur euh, Makolo Digital euh, Radio Télévision la Voix de la Démocratie Congolaise depuis New York City avec votre secrétaire Don Kayembe alors euh, euh, cher euh, Dominique euh, nous avançons maintenant parlons de, euh, du deuxième point qui est très capital le deuxième point euh, ça sera comité d'Afrique de l'Est et cela, nous commençons par notre monologue. La communauté de l'Afrique de l'Est est une organisation internationale de sept pays d'Afrique de l'Est comprenant le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et naturellement la République démocratique du Congo. C'était le 29 mars 2021 que la République démocratique du Congo est admise. Dans la communauté d'Afrique de l'Est, par décision unanime des chefs d'État lors de la 19e sommet ordinaire de chefs d'État de la communauté. Le 8 avril de la même année, c'est-à-dire en 2022, à compter de cette date, elle dispose de cinq mois pour accomplir les formalités internes lui permettant de rectifier son entrée dans la communauté le 11 juillet 2022. En janvier 2023, la communauté d'Afrique de l'Est annonce prévoir l'émission d'une monnaie unique dans les quatre prochaines années. Le Conseil des ministres de l'organisation devrait se décider en 2023 du lieu d'implantation de l'institution monétaire est-africaine et établir une feuille de route pour l'émission de la monnaie unique. En 2010, la communauté lance son propre marché commun de biens, du travail et des capitaux de la région avec l'objectif de la création d'une monnaie commune en 2012 et d'une fédération politique en 2015. Ce qui n'a pas été fait, bien entendu, et c'est pourquoi c'était un peu ajourné. Alors, bonjour, Monsieur Dominique Abongo. À la lumière de cette lecture introductive, en quoi l'adhésion de la RDC à cette organisation régionale est mal vue par les Congolaises et les Congolais Ont-ils réellement lu le traité de la communauté Monsieur Dominique Abongo. De la, la communauté des pays de, de l'Est. Moi, je me suis toujours opposé. Ma position n'a pas changé. Je me ravis aujourd'hui de voir que. Euh, la fronde, si je peux appeler, des Congolais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, est forte et il y a vraiment un, un, un malaise. Pourquoi Parce que, en fait, les, par définition, comme vous venez, veniez, vous veniez d'expliquer, euh, le modus operandi des, de de, de, de cette communauté, c'est un marché commun sur l'aspect économique dont nous voyons l'aspect économique et la collaboration. Euh, quand il dit marché commun, sur l'aspect euh, d'échange ou de trafic, il y a la libre circulation des citoyens de ce pays et vous avez touché un aspect très important qui est une monnaie commune et même euh, je dirais, une gestion commune, parce que quand il parle de fédération politique, vous comprenez que ça devient assez compliqué, parce que c'est ça le problème de fond avec les, les organes supranation. Je ferai un petit parallélisme pour aider euh, nos, nos auditeurs à comprendre. Euh, en général, un, un pays, quand vous signez dans un organe supranation, vous renoncez à une certaine... Euh, à votre indépendance quelque part. Monsieur, monsieur, monsieur Dominique, revenons, nous allons parler de, de beaucoup de ces histoires-là. Je reviens d'abord à ceci. Ma question est plus claire. En 2010, cette communauté lance son propre marché commun de biens, du travail, des capitaux, de, 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 de capitaux de la région, avec l'objectif, s'il vous plaît, de la création d'une monnaie commune. Probablement en 2012, et d'une fédération politique en 2015. Oui. c'est passé. Donc, c'est ce qui s'était entendu dans leur traité. Où est le mal d'avoir un marché commun de biens, du travail, de capitaux de la, dans la région, et éventuellement, un jour, avoir, par exemple, du point de vue économique, une stabilité économique avec une monnaie commune Où est le mal Mais le, le, il n'y a rien de mauvais dans, dans, sur, sur le point de vue. D'accord commun, mais le problème se passe qu'en RDC, quand vous citez tous ces pays, vous voyez que notre pays est le, celui qui est le moins organisé en termes d'organisation structurelle, euh, fonctionnelle, en termes d'État. Ces États-là bénéficient plus en, par rapport à la RDC que la RDC bénéficierait, bénéficierait en en, en, joignant cet en, en joignant cette organisation. Donc, le mal, c'est, pour répondre à votre question, tout simplement, le mal s'inscrit, c'est que ce n'est pas bénéficié au Congolais. Parce que le Congolais, de tous ces citoyens, vous voulez, des de six autres pays, et celui qui a le le moins de capital euh, d'achat, c'est celui qui ne jouit pas d'une structure d'un état fonctionnel qui peuvent le protéger, c'est celui qui ne protège pas le marché domestique. En fin de compte, le Congolais se, expose, expose sa vulnérabilité à, 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 un, à un groupe de pays voisins qui ont des, 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 des visées économiques, tout simplement. C'est là où le mal se situe. Euh, OK, mais justement, je voulais, donc vous avez lu euh, le traité, c'est quand moi j'ai lu, lu le traité, j'ai vu que les Congolais ont un problème. Puis dans leur traité, quelque part, euh, ils parlent de la distribution des revenus d'une manière pas égale, mais équitable. Suivez mon, mon regard, euh, M. Dominique Abongo, je pense que ça c'est très important. Quand j'allais là-bas, il est dit ceci, l'ensemble des pays membres de l'État d'Afrique... Euh, de, de la communauté de l'Afrique euh, de l'Est, sans la RDC couvre environ 2 millions 470 euh, carrés. Le Congo à lui seul couvre 2,3 euh, millions de kilomètres carrés. Ouais. Et ce, ceci compte donc la communauté sans encore la RDC compte au moins 119 millions d'habitants. La RDC à seule, c'est aux environs de 90 à 100 millions d'habitants. Donc, mmh. vous voyez, c'est ce qu'il y a. Pour les six pays, ils sont presque à égal nombre de tout, de la superficie comme de la population avec la RDC. Mais on vous dit que quand on va avoir euh, les revenus, on va diviser d'une manière équitable. Qui profite alors, M. Dominique Abongo mais la réponse est claire, monsieur Donkaïmbel. La RDC Non, la RDC ne profite en rien. La RDC devient... Équitable veut dire de... ceux qui sont grands, grands qui moi. sont petits. D'accord, permettez-moi. Pourquoi la RDC devrait se joindre à une communauté pour pouvoir euh, ramasser des dividendes des produits dont elle-même bénéficie elle-même Le premier servant. Ne devrait-il pas être le citoyen congolais d'abord, après voir comment on peut desservir les pays voisins et les pays qui sont beaucoup plus loin C'est comme ça. Je ne, comme on dit tout simplement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous, vous, moi et tout autre parent, par exemple, ne doit pas chercher à, à, à remplir le ventre de tout le de, 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 tout du voisin ou du village. Pendant que ces enfants ne sont pas encore rassasiés et pleins. Mais tu l'as Donc... Écoutez, non, vous avez non, évoqué non. tout de suite, vous avez évoqué il n'y a pas longtemps que vous êtes mal organisé. Donc, c'est-à-dire, du point de vue organisationnel, vous avez déjà un déficit. Pourquoi ne pas profiter à ceux qui sont stables Comme ça, vous marchez ensemble avec eux. Non. Avant de s'ouvrir à ceux qui sont stables, vous devez d'abord chercher à organiser. Ce n'est pas une maison en, en désordre ou une parcelle en désordre qui s'ouvre. À, à, la, à la portée des voisins ou de, du monde entier, en espérant que l'ordre va être restitué à travers l'afflux des... Des, cap, des, de, des revenus. Des revenus ou des... Je, je, je vais utiliser le mot qu'ils utilisent spécifiquement en anglais, les Foreign Direct investment. Vous comprenez Donc les investissements extérieurs. extérieurs. Exactement. Ce n'est pas en espérant euh, l'afflux de ces investissements que vous allez vous épanouir. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord qu'il y ait de l'ordre. Sinon, à défaut de ça, vous n'êtes que à la merci de ces prédateurs. Vous devez comprendre que chaque État, il, avant de penser à, à, à l'autre, il ne vise que ses intérêts d'abord. Lorsque ces gens sont venus, euh, ces, ces, ces autres pays pensent à incorporer euh, la RDC, dans, dans cette communauté. Ce n'est pas pour le bien-être des peuples congolais. Pas pas passé, donc le Congo est à adhérer seul. Ils sont responsables de dire oui. Allons, au... nous allons nous allons en venir. Vous avez touché sur le point de vue des statuts. Oui, j'ai eu l'occasion de lire ces statuts. Donc je, je, je pense sincèrement que je ne sais pas quelle est la, telle la commission préparatoire qui a étudié cette question d'adhésion à la à la EAC, mais ils se sont vraiment trompés. Parce que la, cette adhésion ne, ne sert en rien à la RDC sur aucun aspect, que ce soit économique, que ce soit humain, que ce soit sécuritaire ou quoi que ce soit. Personne ne viendra à la RDC. Ils viendront là pour pouvoir aider les Congolais à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Ça commence d'abord par nous-mêmes. Une fois que nous avons mis de l'ordre, nous avons un État véritablement fonctionnel. Pourquoi pas s'ouvrir de manière bilatérale, de manière régionale, de manière mondiale au monde entier Puisque là, nous aurons suffisamment de garde-fous. Nous aurons une colonne vertébrale suffisamment solide, un État fonctionnel et solide qui protège d'abord l'intérêt des Congolais, des citoyens, avant de pouvoir bénéficier aux, aux expatriés ou à l'extérieur, comme on dit donc, euh, la rdc, oui, s'est engagée sur cette route, mais je, 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 je regrette de le dire, eh, que, à mon avis, nous nous sommes véritablement trompés. et, et il faudrait et, bah, la seule façon d'y remédier, c'est de quitter cette organisation parce que nous ne sommes tout simplement pas prêts. est-ce que vous avez suivi euh, l'échelonnement euh, du processus que j'ai donné le 29 mars 2022? Ces gens, euh, donc la communauté euh, congolaise est acceptée, mais on lui a donné à peu près six, euh, cinq à six mois de penser deux fois si vraiment cela est nécessaire. Nous avons un gouvernement, des gens qui sont éduqués comme vous, les Congolais qui sont patriotes comme vous. Alors ils se sont mis ensemble, ils ont étudié. C'est seulement le 8 avril que euh, la RDC signe, donc un mois après. De la RDC signe son adhésion à la communauté euh, de Grand Lac et euh, le 11 juillet a été effectif. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a eu un temps pour vraiment mûrir euh, euh, l'idée pour que la RDC puisse voir si, oui ou non, c'est bénéfique. Et le gouvernement, sous l'impulsion du président fils Tshisekedi, a trouvé que c'est bénéfique pour la RDC et ils ont signé et ils ont adhéré. Où est le mal jusque-là? Les gens épinglent seulement une seule question, que la terre sera possédée. À part ça, les éléments qui incluent dans le statut sont vraiment meilleurs pour toutes, pour toutes les parties. Non, monsieur Donka nous avons, euh, encore une fois, il y a une différence d'approche. L'équipe euh, gouvernante actuelle euh, a beaucoup plus privilégié l'aspect commercial des choses. Ils l'ont dit, ils sont sur le On a suivi tous l'émission avec Alain Foucault, l'ex-conseiller du président de la République, je cite Bissélélé, a bien expliqué quelle était leur démarche. Donc, ça, ça montre leur état d'âme. Moi, je, je continue à marteler. Je suis de ceux qui disent que vous ne pouvez pas privilégier les accords commerciaux tant que vous n'avez pas encore résolu, résolu le problème fondamentale d'un état fonctionnel. Ça ne pourra jamais marcher. Vous serez à la, vous serez à la merci des prédateurs économiques. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous, si vous lisez, si vous lisez je, je ne sais pas quelle documentation cette commission, que je n'ai pas vu d'ailleurs, je n'ai pas vu des débats à l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, je n'ai pas vu s'il si y en avait eu. En tout cas, je n'ai pas vu. Alors, je ne sais pas quelle commission, de, de quelles ressources se sont-ils outillés pour arriver, comme vous avez dit, sur l'espace de six mois, à sortir une, une, une solution délibérée pour dire que c'est une bonne chose d'adhésion au pays, et à, cette, à cette communauté. Alors que les faits pointent que véritablement, ça dessert les Congolais. Je ne dis pas que les accords bilatéraux ou commerciaux régionaux sont des mauvaises choses. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit tout simplement que on ne s'engage pas sur cette route lorsqu'on est encore faible ou on a un état non opérationnel, non fonctionnel. Moi, personnellement, je crois que ce sont basés aussi sur les objectifs assignés par cette commission, les objectifs assignés par cette organisation EAC. Par le traité fondateur en novembre 2000, lie étroitement à l'intégration institutionnelle de développement économique, là où vous vous arrêtez, mais vous n'allez pas plus loin sur le développement social. Vous ne parlez pas des renforcements de la sécurité au sein de la zone. Ça, c'est très capital pour le Congo. Alors, vous ne voyez pas qu'à un certain moment, les Congolais sont beaucoup plus émotionnels vraiment recourir à la raison. Parce que la raison vous donne que les objectifs sont tels qu'il faut. L'intégration institutionnelle, développement économique et social et le renforcement de la sécurité au sein de la zone. Actuellement, l'Est de la République est dans le tourment. Bon, C'est ici que, par exemple, l'ASF peut venir maintenant aider pour qu'il y ait la sécurité et enfin, permettre que cette euh, euh, institution fonctionne normalement et à part égale. Monsieur, d'accord. Très bien. Euh, J'aime beaucoup votre point de vue. Moi, je, je pars sur ce principe et je vais développer. Il n'y a personne qui viendra, ça n'existe pas au monde en fait, qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire la guerre pour vous ou combattre pour vous. Les Congolais doivent se mettre ça en tête. Sur le point de vue sécuritaire, remettre notre sécurité à une, à une institution supranation, c'est déjà... Une, vous, vous, vous êtes en train de léguer votre souveraineté sur cet aspect des choses-là. Or, ce qui fait d'abord un État, c'est sa sécurité elle-même, sa capacité de se défendre. Alors, si euh, vous, pour pouvoir mettre le calme dans l'Est, la partie Est du pays, c'est de, permettez-moi le terme, je vais utiliser, disons, sous-contracter votre sécurité avec une organisation euh, comme l'EAC. Alors là, on est, on, on est mal barré parce que, je vous répète encore, que ce soit les Kenyans, que ce soit les Tanzaniens, que ce soit les Rwandais, les Burundais, ils viendront, certes dans le cadre de l'EAC, mais ils viendront d'abord avec un agenda personnel pour pouvoir privilégier leurs intérêts. Ces pays-là sont des pays pauvres en termes de ressources. C'est la RDC qui est le grand butin. Donc, ils vont assurer une sécurité aussi longtemps que ça leur sert à leur avantage. Donc, autrement dit, vous avez euh, sous contracté votre sécurité selon le saut d'humeur de ces gens. Or, la, la RDC, la solution réside en quoi La RDC, la solution réside d'abord en pouvoir se doter d'une armée forte et républicaine. Ensuite, je répète encore... À la, à la, les coopérations bilatérales euh, commerciales, les accords commerciaux ne sont pas une mauvaise chose. Mais je, vous ne pouvez pas partir lorsque vous avez un ventre mou, essayer de rectifier euh, les problèmes, ces problèmes-là en, 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 en signant une coopération pour que les autres viennent euh, vous supplanter, en fait, votre économie. Ça, c est, c est, euh, votre sécurité et votre économie. C est, c est, c est, ça, 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 ça ne marchera pas. La, la, la preuve, vous voyez déjà tous les problèmes que euh, les quelques déploiements de, de l'EAC euh, dans la région de l'Est ont on, 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 on suscité. Parce que, en fait, ces gens euh, ne, ne sont pas là pour le, le bien-être des Congolais ils viennent avec une mission spécifique. Qui est en outre, ils disent que oui, implanter la paix, mais implanter la paix pour pouvoir permettre ce qui résonne dans la qui devrait résonner dans la tête des, des Congolais, la libre circulation. Quand on dit la libre circulation des citoyens, c'est-à-dire, vous avez tous ces pays que vous avez cités qui et ont bon des, des biens, biens. j'y arrive, j'y arrive, exactement circulation des biens, exactement. Et ils cherchent maintenant à larguer même un passeport euh, commun. J'y arrive. J'y arrive. Mais une personne. Vous avez parlé de ces, de, de ces, des citoyens de ce pays-là. Qu'est-ce qui va se passer Lorsqu'il y a une libre circulation, il y a une sécurité, vous avez les, les ressortissants de tous ces pays-là qui sont des gens qui sont déjà qui ont un pouvoir d'achat. Ils vont venir au Congo. Ils vont acheter des terres. Ils vont acheter des biens. Ils vont ouvrir des commerces. Mais cela sera bénéficié pour qui les Congolais vous disent. Congolais vous diront oui, de toute façon, ils vont employer, on va absorber la, euh, le, le chômage. Mais vous allez absorber le chômage. C'est ce qu'on nous a. À, à, à quel prix Au prix de céder votre, votre autonomie. Et combien allez-vous réellement euh, absorber et donner le pouvoir d'achat aux simples citoyens Vous voyez que ces gens vont venir. En expatriés, ils vont jouir des, 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 des biens de. de, 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 de mais c'est vice versa, de... vous pouvez aller le faire chez eux, chez eux et on, on vous intéresse vous pas. Les con... Vous pouvez le faire aussi chez eux, mais les Congolais sont pauvres, monsieur. Ils ah n'ont bon. pas de pouvoir d'achat. Ah bon oui. La population congolaise, les... connaissez-vous des industriels congolais, vous S'il oui. en avait, ils seraient en Congo. Non, Il n'y en a pas. pas. C'est seulement le climat économique qui est morose au Congo, qui privilège les Indo-Pakistanais, qui fait que les Congolais vont investir ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il vous dirait qu qu vous dit je, 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 je prolonge votre raisonnement. Qu'est-ce qu'il vous dit que Après avoir privilégié les Indo-Pakistanais avec des mesures irresponsables des Congolais actuels qui dirigent le pays, ils ne feront pas la même chose pour les, 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 sites, les ressortissants de l'EAC C'est la même chose qui. À continuer. C'est pourquoi, avec cette histoire, on va mettre de l'ordre au fur et à mesure qu'on avance. Non, non. Monsieur, donc là, euh, moi, je ne suis pas de cet avis. On devra commencer par. Pour non. moi, j'aimerais que euh, les, 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 les gens de l'Afrique de l'Est viennent investir chez nous, que les Indo-Pakistanais qui traitent les Congolais comme euh, des de, 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 de citoyens de la dernière classe. Ils mais sont qui, chez et eux, eux et vous, ils sont vous, avec des salaires de, de misère. Et vous pensez que euh, vous vous n'êtes pas en train de, de faire euh, vous déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Pensez... Je veux aller maintenant avec la, deux, la, 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 la question suivante qui va vous aider à comprendre ce qu'il y a. Euh, la communauté d'Afrique de l'Est est un précurseur potentiel de l'établissement d'une fédération d'Afrique de l'Est. Cela veut dire vont former un État fédéral de sept. Membre à un seul pays. <laughs> Selon vous, monsieur Dominique Abongo, en votre qualité de politicologue, c'est-à-dire un scientifique, les... faites-nous une analyse de ce projet. Donc, le projet de réunir ces sept pays euh, de l'Afrique de l'Est en un seul pays euh, fédéral, comme le Canada, okay. comme les États-Unis. Où est le mal? Non, le mal en est en soi que les Congolais crient toujours haut et fort que la balkanisation de leur pays, il faut se battre contre... Mais c'est ça, même la balkanisation juridique. Non, l'État fédéral, c'est pas une balkanisation. Permettez-moi, souhaitez... laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je, vais... <laughs> Je dis, à partir du moment où vous, vous, vous créez un État fédéral, comme ils appellent ça, vous, d'office, vous êtes en train de léguer une partie de votre souveraineté. En matière de sécurité, ça y est déjà le cas. Lorsqu'il s'agit de, de. Vous voyez le problème qui est avec le M23, ça se traite où Les Congolais ont beau crier pour dire que c'est les Rwandais, mais on prend tout ça, on va traiter ça au niveau, euh, au niveau régional. Il y, a toujours des, il y a toujours des réunions, il y a toujours des, 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 des résolutions qui ne sont jamais suivies. Donc, le Congolais, pendant qu'il est en train d'être meurtri, il faut se réunir avec un certain groupe de gens, dont parfois il y a le bérigéant qui en fait partie, en l'occurrence si je cite le Rwanda, et pour trouver des solutions pour mettre la paix. Mais c'est ça déjà le problème des organes supranation qui veut dire au-dessus de votre nation. Donc vous êtes en train, en signant, en adhérant. À cette communauté-là, en adhérant à ce projet fédéral politique, vous êtes en train d'abandonner tout simplement votre souveraineté. C'est ce que vous faites à, à, à une, un secrétariat ou à une communauté, un comité qui sera constitué peut-être de, des de, 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 de sept chefs d'État et dont vous aurez toujours des belligérants. Et vous, vous, vous serez là en train d'aboyer comme euh, permettez-moi le terme euh, comme les Congolais crient haut et fort euh, qu'ils qu sont agressés jour et nuit mais on leur envoie dans des médiations avec l'agresseur pendant que le monde entier sait que l'agresseur c'est celui-là pour des raisons qui sont bien établies je depuis parle avant. De si je parle d'abord de la constitution d'un pays fédéral, je viens si de vous. Je viens de les, 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 je vous ai donné le plan, le, plan le, 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 le premier point qui est très très important pour les Congolais. Ça veut dire que dans cette configuration-là, le Congolais perd son autonomie sur son aspect sécuritaire. J'ai utilisé le problème du M23. Permettez-moi. J'ai utilisé l'exemple du M23 pour vous montrer comment c'est difficile à résoudre ce problème parce que ça doit être déli, ça doit être les actions, c'est-à-dire les, les solutions doivent être proposées par plusieurs acteurs au lieu d'une seule personne. Donc c'est ça les jeunes problématiques. Euh, vous êtes dans cette, vous, vous êtes dans cette... Sur l'aspect économique, nous venons d'en débattre tout de suite. Les Congolais n'ont pas de pouvoir d'achat. Les Congolais n'ont pas un État fonctionnel. Et, et en ouvrant, en ouvrant la libre circulation et libre espace de pouvoir euh, commercer et, et faire tout ça, vous invitez certaines d'autres, les ressources de ce pays, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus costaud que vous, ils vont tout, tout simplement venir, ils vont investir et ils vont vous coloniser aussi économie, économiquement. Donc vous allez perdre votre pouvoir politique, vous allez perdre votre pouvoir économique. Mais vous êtes renvoyé à, aux citoyens de, de même plus deuxième zone, puisqu'on est déjà des, déjà des citoyens de deuxième zone. Vous êtes renvoyé à des citoyens de troisième zone. Vous êtes carrément les esclaves. Permettez-moi le terme qui est fort, mais c'est ça. Ça aussi, ça peut choquer les consciences. C'est ce qui est important. Vous êtes rendu tout simplement un esclave dans votre propre pays. Non, je là... ne sais pas si. Non, vous, non, vous, pas cru, vous moi voulez moi... ne pas être d'accord avec moi. Non, non, je suis... ce, ce n'est pas question d'être d'accord ou pas. Je, moi, je reviens à ma question qui est très, très simple, si aujourd'hui on s'est décidé d'avoir eu, euh, euh, un pays fédéral, qu'est-ce que le Congo gagnerait, qu'est-ce que le Congolais perdrait Mais je, vous donne, je vous ai donné deux points. À savoir... Deux points essentiels. Le premier, vous perdez votre autonomie sécuritaire, vous perdez en fait votre souveraineté, sur le point de vue sécurité, sur le point de vue économique, déjà. Ce sont les deux choses que je peux seulement focaliser dessus, qui en fait englobe tout le reste. Donc si les Congolais, à partir du moment où vous avez perdu votre... Vous perdez même votre identité, qui serait le troisième point, puisque une fois qu'il y aurait ce, ce, ce passeport qui est un document commun, ça veut dire que c'est inutile de pouvoir euh, avoir un passeport, une identité typiquement congolaise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez... C'est un pays à part qui, qui sera un pays comme le Canada, je le dis, comme les États-Unis, je le dis, comme euh, d'autres pays. Le, oui. le, 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 la différence du Canada et des États-Unis sont d'abord des États dans lesquels ils ont un modèle de gestion fédéral. Dans certaines matières, c'est unitaire. Ça se décide à Washington. Mais dans la gestion provinciale ou des États comme chez vous, ça se... on, on, on donne le pouvoir au gouverneur ou au ministre chez nous. C'est ça fera aussi au Congo, au Congo et les autres pays de l'AEC. Encore une fois, je reviens à mon point de départ. Mm -hmm. À quoi servirait aux Congolais tout ça? Pendant qu'ils ils sont capables, si ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en, en train de faire là et devenir des hommes sérieux, on peut développer notre pays et devenir vraiment une puissance régionale. Tout, et ensuite, on peut s'ouvrir à tous les partenaires qui veulent le monde. Mais nous sommes incapables d'avoir un État fonctionnel. Et la question, le remède au problème que nous connaissons depuis presque 60 ans maintenant, on estime que c'est d'aller joindre une organisation qui va réorganiser les choses à leur avantage, au désavantage des Congolais, et on va, on va déléguer un certain pouvoir aux Congolais, peut-être simplement managéral. Mais ils n'auront aucun, aucun, aucune autonomie sur leur sécurité, sur, leur, sur leurs ressources naturelles. Et ils n'auront aucune économie sur économ, euh, autonomie sur leur aspect économique. Mais vous êtes réduit à des sous-hommes dans ce cas-là. OK. Alors la dernière question, monsieur Dominique Abongo, complètement la dernière, puisque je ne peux pas euh, clore cette émission sans parler de ça. Euh, 2023, année électorale, quelle chance donnez-vous au président Félix Tshisekedi de briguer un second mandat <laughs> En Afrique, on n'organise pas des élections pour les perdre, n'est-ce pas <laughs> Donc, ça euh, je, je n'ai pas. Ça, 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 ce n'est pas évident puisque nous connaissons. Gbagbo euh, euh, avait organisé les élections et l'a perdu. Je doute fort que Félix Tshisekedi va perdre ses élections. Donc, à cause de sa popularité et des. Et ces actions, n'est-ce pas? Bon, on verra. Je, vous, 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 vous savez, c'est subjectif. Il y en a qui sont très contents de, du travail que le président Félix est en train de faire. Il y en a qui sont extrêmement frustrés parce qu'ils n'ont pas vu de résultats. Il y en a qui sont anodins par, par rapport à la situation. Donc, on, on verra euh, quelle est le, la cohorte des, des, de la population qui va l'emporter sur l'autre. Mais je doute fort, personnellement, qu'il va perdre. Ces élections, encore faut-il qu'il y ait. Je pense que euh, dans la conjoncture actuelle, euh, je crois que nous allons probablement avoir euh, un, un glissement. Non, on ne parle pas de glissement. Ça, c'est les gens qui ont peur des élections. mon point de ça. vue. D'accord. J'ai avancé mon point de vue. J'ai dit. Ok, dans les éléments alors. Dans les éléments. Euh... Non, tout simplement, euh, je, je, d'après ce que j'entends, euh, euh, je vois les difficultés qu'il y a avec l'enrôlement en termes de calendrier, le travail qui reste à faire et les difficultés de déploiement, ainsi de suite. Je, je, je pense que si on va avoir des, des élections en bonne et due forme, euh, c'est très difficile pour que la CENI soit prête d'ici euh, euh, novembre. Je, 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 je crois que c'est très difficile. Donc, OK, nous leur donnons toutes les chances de réussir, de montrer leurs capacités. Donc, espérons que cela ne puisse pas arriver. Alors, Monsieur Dominique Abongo, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour les interventions très, très, très intéressantes. Alors, je vous donne une minute pour le mot de la fin et comme ça, nous allons nous séparer en toute gaieté très bien encore une fois merci de me recevoir sur vos antennes j'espère que notre échange a pu aider certaines personnes qui avaient des zones d'ombre à pouvoir avoir certaines clarifications donc moi personnellement j'exhorte ça c'est mon point de vue personnel les responsables politiques le président de la République le président de l'Assemblée nationale en fait le Congrès donc euh, je leur dirais, euh, chers compatriotes, euh, l'affaire de l'EAC, ce n'est pas un bon business pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que le, ce n'est pas le moment choisi. On peut avoir eu une, 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 une volonté de pouvoir faire les choses autrement, peut-être de manière commerciale, avec nos, nos, nos voisins et ainsi de suite. Mais je crois que les choses déjà comme elles se présentent, c'est pas bon signal. Il faudrait prendre son courage. Euh, dans les statuts, il y a le mécanisme de retrait euh, d'adhésion à la communauté des pays de l'Est. Euh, il faudrait que, il faudrait que la classe politique congolaise, en commençant par le président de la République, prennent leur courage et et qu'on que, qu 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 déclenche cette, euh, cette, euh, cette démarche de, de retrait de, de, de cette communauté des pays de l'Est-là et qu'on puisse se, se réorganiser autrement. En, on, 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 il n'est jamais trop tard pour mieux faire, euh, ça, ça va directement à Félix Tshisekedi. Euh, il avait une vision euh, qui était probablement commerciale. Bon, il s'est déjà rendu compte que ça ne marche pas qu'il prenne son courage et qu'on qu s'arrête là, qu'il, euh, le président Bosso, le président Bahati et les députés, qui ne regardent pas leurs intérêts personnels, mais plutôt l'intérêt de la nation, qu'ils prennent leur courage, qu'ils déclenchent cette motion de, de retrait de l'adhésion des pays, des, des pays de l'Est. Et puis, et on peut se réorganiser sincèrement autrement, adopter un autre modèle qui se base d'abord sur euh, nous-mêmes, le Congolais, et qu'on puisse repartir et, et, et faire les choses autrement. Lorsque nous serons suffisamment forts et costauds, on pourra s'ouvrir euh, aux, aux collaborations régionales, ainsi de suite. Sinon, euh, ils peuvent être animés de bonne foi en voyant que euh, ce sont des choses qui seront très bien, mais ça risque de coûter très cher à la nation, et, et, et ce ne sont, ce sont pas des choses qu'on voudrait voir. Donc, euh, euh, c'est ça mon mot de la fin. Ok, alors il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous dire grand, grand merci et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie, M. Don KMB. À la prochaine. Enfin, nous voici à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité à la radio Makolo Digital Télévision, la voix de la démocratie congolaise. Espérons vous retrouver très prochainement, car nous consacrerons d'autres émissions à la situation de la République démocratique du Congo jusqu'aux prochaines élections. En attendant, ciao. C'était votre serviteur, Don Kayembe, depuis New York. C'est. En enfin, fait, la problématique, je crois que nous avions parlé de ça il y a peut-être une année ou deux, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, on parlait toujours de l'adhésion la, de la RDC dans. Un...